qui fait très bien entière et la variation gros qui va quand même te toucher de très très loin. Voilà. Et les boules qui sont plus ou moins rapides. Vous avez vu le recover, tant que ça n'a pas touché, voilà, je suis dans le recover de la boule. C'est-à-dire que si vous faites ça et que votre adversaire juste a l'idée de sauter, même si bon, faut quand même avoir les réflexes. Allez, saute. Eh bien, vous êtes dans l'impossibilité de faire quelque chose. Et là, un autre coup, je crois que... Voilà, c'est ça. Ça, c'est son semblant de reversal, vous voyez. C'est un Tatsumaki, pseudo Tiger Knee. Le gros met en feu. Ah, je peux pas résister à l'envie de... Ah non, j'ai appuyé sur start. Quelle abrutie de bacane, merde. Qu'est-ce que je suis con, des fois. Tiens, bah, changement de stage. Alors, voyons voir. C'est quoi que j'essaie de faire? Oh, mais ce stage! Regardez, alors je ne sais pas à quoi ça correspond hein, dans Sailor Moon, mais il met tellement la pression ce stage, sans déconner. Allez, ce que je voulais surtout, c'est voir la tronche de Mars en feu. Je n'ai pas compris pourquoi. Mais arrête de la choper sans arrêt. La porte du ciel. Il y en a qui ont taffé le manga. Hein. Tralala, mais regardez cette tête. Alors, la tête, c'est la même pour tout le monde, hein, il me semble, vous voyez. Parce que là... On a l'impression qu'elle a les cheveux attachés. Ah, c'est peut-être pas la tête, mais la même tête pour tout le monde. Peut-être qu'il y a un sprite par truc enfalmé. Ce serait déjà mieux que dans Street Fighter 2. Hein. Oh là là, tellement génial. Et pour faire la super... Impossible de savoir comment c'est. J'ai réussi à backdasher avec mon coude. En fait, j'ai un stick sur les genoux et j'ai la mallette dans les mains. Du coup, regardez, je donne l'impression de jouer ensemble. Ouah, c'est dynamique. Et c'est quoi la furie, bordel? Caravampier. Je crois que c'est double caravampier, mais j'en suis pas sûr. Allez. Voilà, c'est ça la furie, il me semble, non? Non, c'est le coup simple. Impossible de savoir c'est quoi la furie. Le tout. Disque magique. Bon, en tout cas, c'est un jeu absolument merveilleux. Et ce jeu a connu, eh bien, une évolution, à savoir une deuxième version qui, elle, n'est bizarrement pas canon. C'est-à-dire que la plupart des joueurs, parce qu'il existe des joueurs de Sailor Moon, je vous laisse quand même l'intro, c'est magnifique. À poil! Voilà, c'est là où on se dit quand même que ça envoie du bois, la Super Nintendo, sortie 2 ans plus tard, 1996. Globalement, c'est le même jeu, mais avec les évolutions de la série. On retrouve quasiment tous les persos, il me semble, de l'ancienne version, pas de perso en plus, en fait. Hein? Je croyais qu'il y a des persos en plus, il n'y a pas de persos en plus. C'est Sailor Moon. C'est mis au vert, mais sinon c'est tout. Et nous avons 7 Sailor en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, il y a une Sailor en plus, c'est ça, il me semble. C'est Sailor Saturn, que je vais immédiatement tester dans cette version remix, après avoir testé s'ils ont équilibré Uranus. Ah, là on entend des sons. Alors, vous voyez, c'est exactement la même chose. Un peu plus de stages, mais généralement, je pense toujours les mêmes stages. Allez, on va prendre le stage de la salle d'arcade pour voir s'il a évolué. Waouh, cette Saturne. Ouais, bon, on a l'impression que comparé aux autres, elle est finie en 2 frames et demi. J'ai l'impression qu'ils ont rajouté quelques animations peut-être dans le décor. Je suis vraiment pas sûr. Donc là, comme vous pouvez le voir... Je pense que le principe du jeu est le même. Ah, ils ont changé. Voilà, ils ont changé quand même les effets d'ombre sur les backdash. Voilà, toujours le dash avant. Inguacable. Et vous êtes sérieux? Ah, et en plus, elle a un coup spécial supplémentaire. Excusez-moi. Je vais tester ça tout de suite après. Ça m'a l'air divin. Alors, KL. Psychoquack envoie l'attaque hypnose. Suivi de. Oh là 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 là. C'est Gookie en mieux. Ah non, ça c'est vraiment un Shippuken. Hein. Shippuken. Puisqu'avec le gros, vous mettez vraiment du temps à retomber.
Et le dernier coup spécial, pouah, Repuken. Oh là là, double Repuken avec le gros. Double Repuken. Oh, c'est tellement guise le perso. Alors, voyons voir. Ah, il n'y a pas l'air d'avoir des gros block stun quand même. 1, 2, 3, 4. Non, le gros point est vraiment trop lent. 1, 2, 3. Et le gros pied n'est pas sorti. 1, 2, 3. Oh là là là, mon dieu. 1, 2, 3. C'est impossible de faire des combos avec des coups spéciaux. Et donc le problème de ce genre de... Le problème de ce genre de gameplay, c'est que vous êtes très désavantagé dans ce jeu-là si vous n'avez pas de reversal. Généralement, si vous n'avez pas de reversal, votre seule solution, c'est de réussir à mettre la garde et de la canceller par un... par un backdash. Ah, ça, ça marche en revanche. 1, 2, 3. Parce que le bas petit point est très bon. C'est ça. Regardez, le bas petit point touché ici. Ça, c'est un excellent coup de foot 6. Avec un Repuken. Voilà. Le problème, c'est que ça a des trous quand même partout. Hein. Alors, est-ce qu'on peut faire le Repuken en Tiger Knee? Oh, par contre, il y a une stand overhead complet là. Allez, skill un peu. Skill un peu, voilà. Un truc comme ça. Repuken. Shippuken. 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 C'était avec pied? C'était avec quoi? Ah, frère. C'est quart vers le bas. Qu'est-ce que vous voulez faire un Tiger Knee en quart vers le bas? Vous ne pouvez pas. Ah, si on peut. Oh, c'est le skill, hein. Mais c'est entièrement possible, hein. Entièrement possible. Magnifique, en tout cas. Moi, perso, c'est sympa, un perso en plus, mais... Moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux tester la divination de Uranus. Je vais me refaire un peu l'Uranus. Oh là là là, mais tellement stylé, Macellor. On va aller dans la rivière de feu. Il y a un OST aussi, hein. Donc, oh mais arrête d'appuyer sur Select, franchement. C'est pas possible. Je reveux cette OST. Remettez-moi cette OST, s'il vous plaît. C'est bon. En appuyant sur Start, on découvre qu'il y a quart avant-point, mais bien sûr! Ce perso avait besoin d'utiliser l'épée céleste pour avoir en plus de l'intestabilité un bon gros jeu de boules! Parce que sinon c'est pas drôle, testons les Blockstone, ils sont toujours cancellables, il n'y a pas de problème, avec Mix-Up, Instant Overhead, tout ce que tu veux. Les Blockstone sont tellement trop violents que la shop arrive toujours dans le vent, allez, viens ici. C'est l'Izuna Drop de comment? Comment il s'appelle? Hattori Hanzo. Et donc je garde bien entendu mes coups. Bah bien sûr, je garde ce coup là, faut pas déconner. Parce qu'il faut savoir qu'elle a évidemment un Power Wave. Power Wave! Power Wave! Bon, impossible en revanche de faire ça super un jour. Mais bon, ça c'est normal, c'est super, c'est un peu truc du skill. Oh là 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 là. Bon, par contre, c'est 200 frames de start-up, hein. Oh là 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 là. Mais en plus, tu pouvais pas la tester de près. Mais de loin, elle devient imbattable, quoi. Alors, j'ai pas vu les dégâts, mais si les dégâts restent les mêmes, c'est même pas la peine. Vous savez qu'on a rajouté un coup à ma Neptune chérie. Et je vais jouer la nouvelle Moon. Alors, on peut s'amuser avec ce jeu-là. Moi, je trouve le premier bien mieux fini et bien mieux pété. Ce qui, évidemment... Optique du jeu. Ah, nouveau stage, hein. C'est les mêmes musiques, mais t'as l'impression qu'elle est chantée par un pingouin, c'est tout. Crah, ils ont rajouté une charge. Hein? De quoi? Expliquez-moi quel intérêt de faire ça quand on a disque magique. Et pourquoi faire ça avec une charge? Donc la super, c'est la même? C'est bien la même. Donc on va voir si le combo du 1 fonctionne encore. Il fonctionne très bien. J'ai l'impression que les bruitages sont un peu moins bons en revanche. Ou alors c'est juste pour ce stage là. Oh là, j'arrive pas à faire la super en combat là. Oh, impossible. Tu. Oh, Moon qui prend aucun combo.
Toujours pas de dash avant. Attendez. Non. Ils ont même changé les 10 sheets vocaux, hein, j'ai l'impression. T'es pourri cette attaque en gros, ça fait quoi? On voit une boule à la vitesse de la lumière, mais le startup c'est 200 frames. Par contre, ça a l'air d'être assez difficile d'éviter. Hein. Moon, par contre, elle a pas vraiment changé plus que ça. Ah, elle a un nouveau coup. Mais sinon, ça a l'air d'être toujours la même merde avec des vieux normaux pourris. Ouais, c'est ça. Sincèrement, je vais pas taffer non plus la frame datalist du jeu, mais. Ça m'a l'air un peu moisi du sud-est quand même. Alors, on va voir si elle garde toujours son overhead dragon. Ouais. Moi, tant que j'ai ça, tout va bien. Je fais tous les match-up avec ça. Alors, peut-être qu'il y a des moyens de faire des trucs. Oh là. Mais non, il n'y a même pas moyen de comboter. Même avec gros pieds, putain. Comment tu veux comboter ça? C'est impossible, sans déconner. Pff, ah, aucun hitstun qui fait ça. C'est vraiment le coup de zoning de loin. C'est le jeu du zoning, hein. Touche très très tard, en plus, la boule. C'est assez... Je veux bien vous avouer que je suis dans... Plutôt dans la dubitativité. Oui, jupe sa mère. Et... On va prendre Chibi Moon en mode super évolution. Oh, trop mignonne. C'est vrai que ça manquait de gamine de 8 ans dans le jeu, quand même. Faut quand même refaire cette remarque. Ça a manqué de gamine de 8 ans. Ah voilà, nouveau stage. Semble être complètement le stage du boss intégral. Quelques petits trucs qui ont changé. Par contre, le gameplay, lui, n'a pas changé. Voilà. La boule est toujours autant intestable. Elle arrive au sol encore plus vite, j'ai l'impression. Voilà, parfait. Impeccable. Surtout, changez rien sur le perso. Elle a toujours un reversal, il n'y a pas de problème. Et en plus, elle vient de gagner... Voilà, une petite boule au sol à distance. Qui fait plaisir. Alors, comme tous les coups additionnels, j'ai l'impression, de cette version. Eh bien, ça met toujours des plombes à sortir. Et évidemment, elle a toujours le meilleur 360 du jeu. Voilà. Merci d'avoir participé. C'est intestable, perso. Vous voyez, quand vous maîtrisez assez bien le toucher de manette, c'est quand même très difficile de punir un mec qui vous fait ça tout le temps. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Un mec qui fait ça, vous passez où? C'est où la porte d'entrée, là? Comment je fais? Je passe comment là? Cross, mouvement de Chibi Moon. Chibi Moon qui a gagné une dive kick. Là, on va tester la dive kick. Oh là 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 là, Chibi Moon! Ah, ce petit coup de boule! Ah, tu me fais rêver. Vite, 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 vite. Allons chercher tout de suite des doujins avec Chibi Moon dedans. Je n'en peux plus. Ah là 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 là. Oh là 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 là. C'est trop, c'en est trop. Et le meilleur coup de tous les temps. Je suis sûr que c'est faisable au ras du sol, ça. Oh là 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 là. Pouah, puis mise au sol sur une dive kick. Ça rigole pas. Ça fait au ras du sol. Sûr qu'il y a des mix-up de l'embrouille avec ça. Ah, c'est vrai qu'elle a un backdash de merde, elle voulait faire un vieux saut pourri comme ça. C'est tellement là le perso. Ah, mais je l'ai complètement fait bugger, vous avez vu? En fait, pendant que le perso se relève, elle est dans un block stun infini. Vous avez vu? Paralyser le perso, alors attends. Si je le fais de plus loin... Ouais, attends, elle va traverser tout l'écran en étant sonne comme ça, vous êtes sérieux? Wouah! C'est... Pen Triathlon. Gare à ceux qui manquent leur cible, hein, quand même, parce que là, j'ai le temps de changer de manette pour punir. C'est n'importe quoi. Ok, bon, ça met à terre, mais c'est peut-être pas le meilleur dive kick de l'univers, hein, je dois bien vous avouer.
C'est dommage pour elle. Changement de perso intersidéral. Cette musique, elle me déprime en plus. J'ai horreur des musiques qui dépriment, moi, dans les jeux vidéo. En plus, là, tout le monde a l'air d'être merveilleux. Sincèrement, même avec le reste des coups, je vois pas trop ce qui teste Uranus. Encore dans ce jeu. Mais bon, c'est à voir, hein, peut-être. Oh là là, le méchant du mal est sorti de la maison. En plein milieu de la ville. Auras-tu gagné des choses intéressantes? Ouais, elle a rien gagné du tout. Oh, il gagne un bisou. Un bisou. Bisou, bisou. Voici des bisous, gentils bisous. Pays des bisous, bisous, bisous. Ah, je te kiffe complètement. Et toujours son bao de la muerte, voilà, intestable. Et son dragon, bah c'est bon, bah écoutez, avec ça. Avec ça, tu fais tout le taf. J'aimerais bien un jour sortir la super de ce perso. Comme une illusion. Ça m'énerve de devoir regarder le MOOC. Notez que ce saut gros point est vraiment très très bon. Alors évidemment, vous pouvez pas canceller les coups en l'air hein, par des backdash. Ouais, toujours le backflip de Blanca. Bisous, bisous. Voici des bisous. Gentils bisous. Ça sent l'embrouille, ça. J'ai l'impression que c'est un hitstun violent. Oh là 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 là. Je ne peux pas m'empêcher d'essayer de chercher des trucs fourbes. Oh là 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 là. Viens par ici, mon bisou. Ah non, ça va être quand même un peu compliqué hein, faire ça, mais assez intéressant sans que j'ai réellement vu ça super. Voyons voir si Mars Attack a changé aussi. Évidemment, rien de plus jouissif que de bourrer Uranus. Hop. Je vous fais profiter de tous les stages du jeu, bien entendu. Mais là, c'est deux jours en fait. C'est la même ville, mais deux jours. Voilà, exactement. Qu'est-ce que c'est bon de savoir lire les katakana? Et elle profite de quoi? Avant-arrière-point! Mais bien sûr! Mais, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce perso, c'est le perso avec le meilleur jeu de boules de tous les temps. Hein. Y a rien qui teste le jeu de boules de Mars. Et donc, ils se sont dit... Oh, puisque c'est... Oh, son jeu de boules, il est pas trop mal! On va changer son truc entière avec... la flèche du Deadstone. Hein. Parce qu'avant, vous voyez, elle pouvait envoyer un oiseau vers le ciel, là. Et là, c'est plus possible. Impossible. Du coup, il ne reste plus que le serpent, qui lui aussi a grandement diminué de vitesse. Hein. Bon, par contre, en Mythi, c'est assez intestable. Hein. J'en renvoie un en Mythi. 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 J'en renvoie un. Oh, c'est encore en Mythi! Oh, c'est encore en Mythi! Ah, c'est raté. Raté. Là! Oh là 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 là, c'est merveilleux. Alors, c'est un loup ou pas? C'est pas un loup. Est-ce qu'on peut le dash canceller? Mais bien entendu! Et mis de screen! C'est, franchement, mais ce perso veut rien dire du tout, Uranus. Rien! Allez, s'il te plaît, renvoie-moi une boule de feu. Que je puisse... Ah, t'as de la chance, hein, y a que le petit qui touche à cette distance. Allez, voilà. Je puisse bien te punir. Qu'est-ce que vous voulez tester ça si vous n'avez pas un dragon? C'est pour ça que je joue un des rares persos qui a un bon dragon. Avec... avec Vénus ou Pluton, là, je ne sais pas. Parce que c'est intestable. C'est beaucoup trop intestable. À trop vite de faire mal dans le jeu. Et même avec un jeu de boule dragon, c'est pas possible, parce que vous savez, même la garde est dash cancellable, du coup, par exemple, contre Uranus, si vous mettez un seul dragon en garde, elle fait garde le premier hit, dash avant, dans votre recover de dragon, et au moment où vous retombez au sol, 360. Et donc, en fait, vous pouvez même pas te faire de dragon dans sa garde. En fait, votre seul moyen d'agir, c'est de carotter ses dash avant, et de dragonner dedans. Mais bon, c'est la stratégie. Mais sincèrement, je vous invite à essayer ce jeu-là, parce que j'en ai essayé beaucoup, hein, des jeux de combat sur Super Famicom, et rares sont ceux qui sont aussi bien finis, et je veux dire qui ont l'air de bien tourner, avec pas de trucs bizarres de hitbox, avec une vitesse de jeu qui est bonne,
et de vrais combos dedans et aussi un gameplay, hein, parce que c'est vraiment un gameplay. Hein. Cette histoire de dash cancellabilité, c'est un gameplay vraiment, vraiment très riche tout de même. Là, je vous ai pas testé tout de même ce petit perso que je vais affronter contre Saturne. Yoroshiku. Moi aussi, je lèche cul. Avec... Oh là 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 là, mais ce stage, mes amis, mais ce stage et ce Tiger Knee. Tiger Knee. Donc elle, c'est un des persos qui bouge le plus vite du jeu et qui a... Ah, nouveau coup spécial car arrière qui est assez sympathique. Un dragon aussi. Voilà, voilà pourquoi ce perso est assez bon. Donc, en revanche, voilà, elle fait ça, mais elle a perdu une de ses boules, un de ses projectiles qui était quand même vraiment bien pour gagner ce projectile. Alors, je sais pas si ce... Ouais, il allait un peu mieux. Avant, c'était un perso à charge, elle envoyait des projectiles à charge. Et le projectile était vraiment très très bon. Et là, en revanche, elle garde sa tornade Tiger Knee. Qui, il faut le dire, eh bien, impose quand même ce perso. Ça, c'est le perso de Monsieur Karaté. Chacha fraîche. Joue ce perso là et comment et donc c'est un perso quand même assez bon. La possibilité, en fait, la possibilité qu'elle ait un dragon, ça change vraiment beaucoup de choses. Ah, elle a du mal à se relever quand même, hein, ce 1 2 3, attendez, 1 2 3, hop, d'accord, je suis trop loin, essayons un truc comme ça, 1 2 3, oh là là là, 1 2. Tac, 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 tac. Et Tiger Knee. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ah, il y a le gros pied qui sort pas. Sors le gros pied. Voilà, ça doit faire combo, il me semble. Je la vois pas récupérer du Blockstone, en tout cas. Mais bon, c'est assez difficile de savoir, étant donné qu'il n'y a pas de menu. Les balayettes sont évidemment cancellables. Ah, mais je fais le Tiger Knee trop tôt. Mais arrête de faire le Tiger Knee trop tôt. Voilà, hein, semble pas que tu peux garder. Semble vraiment pas. En tout cas, c'est sûr que si tu mets balayette, tu risqueras pas de garder grand chose. Putain, mais la gymnastique que je dois faire. Oh, rien à dire. Et avec la boule, oh, la boule, à mon avis, c'est même pas la peine. Franchement, mais pourquoi foutre des boules aussi lentes? Peut-être qu'ils ont voulu réduire le jeu de boules. Enfin, je sais pas. J'essaie de trouver une logique à tout ça, mais je trouve la logique, c'est qu'il n'y a pas de logique. Ça met vraiment trop loin. En tout cas, ça, c'est un bon combo, vous voyez, ça ouvre sur l'eau. Ça peut commencer par ça. Voilà, c'est quand même 1, 2, 3, 4, 5. C'est quand même un bon 5 hit. Hein. Alors évidemment, ça ferait plaisir si la boule passe avec, mais vous pouvez toujours la mettre, vous voyez, à cette distance. Et au pire, si vous voyez que vous êtes pas bien, bah vous backdashez, tout simplement. Je ne sais pas. Mais oui, moi je me refuse à penser que ce jeu a été fini à la piste, parce que pour avoir beaucoup joué à ce jeu-là, franchement, le jeu est vraiment vraiment bon, quoi. Et du coup, j'ai souvent tendance à penser qu'il y a eu quand même un minimum de recherche de la part des développeurs pour essayer de proposer des choses intéressantes. Alors, voyons voir si Mercure, il me semble, a un peu évolué dans son jeu. Oui, d'accord, si tu veux. Je ne t'embêterai plus, promis. C'est quoi cette souris là qui troll? Hey, elle a gagné donc un dragon. Oh là là, le dragon c'est la même animation que Neptune, mais vous êtes sérieux. Pluton, pardon. Oh là 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 là. Chronophyto. Chronos Typhoon. Ah ouais, si on tend l'oreille. Ah ouais, si on tend vraiment bien l'oreille, on a vraiment Chronos Typhoon. Oh, en fait, c'est l'attaque la plus chiante du monde parce qu'elle reste à l'écran 300 ans. Et vous avez vu quand même la hitbox? Ah, je la vois pas! Ah, je la vois pas! Attends, j'ai essayé un autre truc. Ah, je la vois pas! Ah, ça y est, on la voit! Voilà, impeccable. Ça, c'est de la maîtrise de la pose sur Twitch. Là, vous voyez, en théorie, elle est touchée. Ce qui veut dire que la hitbox de la tornade doit à peu près arriver quelque part par là, vous voyez. En fait, c'est une tornade cubique.
Même si c'est comme ça. Et là, je pense qu'elle va bouffer, hein. Elle bouffe complètement. C'est ça qui est merveilleux. Mais la divinité de ce jeu, sans déconner. Comment on peut ne pas trouver ce jeu divin? Tellement divin. Alors évidemment, elle a gardé ses autres coups de merde, c'est ça? Voilà, ça c'est vraiment toujours autant de la merde. Suivi de... Ah ouais! Ah ouais! Ça semble un peu mieux hein, quand même ce coup. 1, 2, 3, 4. Oh, Pounce! 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 Ici, mes amis! Ah bah du coup ça me perturbe. Est-ce qu'il y a Pounce sur tous les persos? Ah, pas Pounce ici. Hein. Une frame de... Non, pas de frame. Peut-être un coup sauté. Ah non, c'est peut-être le seul perso où il y a des frames de Pounce. Hein. C'est sympathique. Bon, bah, rien que pour ça, elle mérite d'être jouée. Ce stage me met grandement la pression en tout cas. Voilà ce qui est super S par rapport à S. Un perso en plus, quelques coups spéciaux supplémentaires qui, je dois bien l'avouer, n'apportent quand même pas grand chose. Et un système de jeu qui n'a pas évolué. Avec des persos qui, on va dire, n'ont pas l'air d'avoir grandement été rééquilibrés. Si je peux m'exprimer ainsi. Et je vais donc, après un backdash, puisqu'ici le bouton select sert à quelque chose. Il sert à retourner en arrière. Ah, je dirais Usul. Reset et select ne sert pas forcément tout le temps à rien. Bon, un petit mode story quand même. Allez, on va se faire un petit mode story. Quand même, arrêtez. Oh là 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 là. Mais vous êtes sérieux? Et la violence du jeu. Oh là 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 là. Ah! Abunakata, Abunakata, Minadaijebu. C'était chaud, tout le monde va bien? Chibi Moon. Mochoto de. Oh, voilà, ta gueule, c'est bon. Hein. Pas m'amuser à faire la traduction de tout. Mais ils ont pas mal quand même les artworks. Oui, nous sommes les sellers légendaires. Nous avons des bâtons et nous sommes toutes craquées. On va pouvoir repartir. Oh là 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 là, mais c'est quoi cette arnaque vivante? Mais c'est l'arnaque! Mais c'est complètement l'arnaque! Mais je vais pas jouer ces persos! Nyan! 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 Ils sont tous pourris. Bon bah, je vais aller du côté du mal. Je vais du côté du mal. Oh, j'affronte Sailor Mars, regardez ça! Sai Shokala, Dobashite, Ikuta Lane. Atashita. Oh, pas envie de lire, voilà. Oh là 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 là. Et regardez! Le PC triche! Vous voyez la barre verte? C'est de la barre supplémentaire. Et je suis complètement en free juggle. Waouh, le PC il dash cancel tout ce qui se passe! Ah non, bah ça va pas. Bah, prends-toi ça un peu dans la tête. Ah, je. Je fais mal mes Tiger Knee. Non, non, non! Oh, je prends mid bar suivi de Mitty intersidéral. Oh là là, je prends ça dans la tête un coup. Oh là là, la chopée, ma chope spéciale. Mais la barre de vie, vous êtes sérieux? C'est leur Mars? Ouin. Je sais pas ce que ça veut dire. Pousse-toi. C'est quoi mon coup spécial? Je suis déjà dans le coin. Aïe aïe. Oui, aïe aïe dans mes dents. Oh putain, ici. Par contre, le 360 n'est pas reversal. Mais j'ouvre cross-up là. Pousse-toi. C'est de la triche, le PC, il sait jouer. Allez, Blockstone infini. Ouais, mais elle a raison, elle se le prend en hit. En garde, ça fait beaucoup plus mal que ça. Oh, je retombe dessus. Zéro de vital. Oh là là, mais c'est quoi ce Stanley kick entière? Il est imbattable, le PC, hein. Parce que j'ai pas mon perso et je joue à la manette et en plus... Wouah, trop beau, le continue. Anata no pawawa. Oh, ils mettent un kanji pour pas que je lise. Non, moi, je suis un mec du zéro crédit, moi. Je veux même pas le savoir.
Je recommence tout du début. Comment ça, j'étais au premier stage? Ça veut rien dire du tout. Taisez-vous. Tais-toi. Et toi, je m'en fous de ce cheval. Allez, c'est parti.